Radio Circulation au 730 AM, c'est une station dédiée aux usagers de la route pour prévoir leur déplacement dans le Grand Montréal. À Montréal et dans les environs, il y a au-dessus de 8 millions de déplacements par jour et 2,1 millions de voitures qui comptent 1,1 million d'automobilistes qui circulent à chaque jour. J'attire votre attention sur ce poids lourd, ce semi-remorque, oui, qui est en panne. Radio Circulation appartient à Cogeco Diffusion, qui en est le propriétaire. Nous, nous sommes collaborateurs et nous fournissons le service, les informations. C'est un service qui est 7 jours sur 7, en temps réel, en direct. De l'autoroute des Laurentides pour la métropolitaine Ouest et l'entrée Stinson, donc c'est pas grand-chose. Essentiellement, la façon que ça fonctionne lorsqu'on anime à Radio Circulation 730, c'est qu'on fait une demi-heure en ondes et une demi-heure où on répond aux appels du public. Ce sont des blocs de 4 minutes, une minute de pause, 4 minutes, une minute de pause. Après ça, on a un petit bloc de 2 minutes où on se concentre essentiellement sur les points chauds. Après ça, un petit bloc météo. Et après ça, on recommence. T'sais, s'il y a un endroit vraiment où c'est vraiment problématique, là, parce qu'il y a une congestion de fou, ben ça, on va le marteler là, à chaque bulletin. Ce que l'arrivée de Radio Circulation a changé dans notre quotidien, au niveau de notre travail en tant que technicien d'information, c'est la capacité de mieux transmettre l'information au public autoroutier en leur donnant des détails, en complétant là, l'information qu'on leur donne déjà à travers d'autres formes telles que les téléavertisseurs. Un petit peu dans l'échangeur Saint-Pierre, c'est qu'on avait un semi-remorque. Ou même des fois, sans qu'ils nous appellent, on va les appeler pour leur donner un complément d'information. Oh, ben, le ministère des Transports, c'est un coéquipier pour nous. Donc, les rapports, avoir des bons rapports, c'est essentiel parce qu'ils nous alimentent constamment. On a ici ce qu'on appelle communément une pagette, un téléavertisseur. Ça, c'est très, très précieux parce qu'on a de l'information en tout temps de nos collègues du ministère des Transports qui nous disent « Oups, véhicule en panne à tel endroit » ou, plus précieux encore, ils vont nous envoyer des messages pour des endroits où on n'a pas de caméra. Et si on en a besoin, on le contacte aussi par téléphone et on a toujours une bonne collaboration. Les codes d'écoute sont très bonnes pour le service. En fait, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens l'écoutent des heures durant, évidemment. C'est un service de très courte durée, mais accessible en tout temps pour tout le monde. Donc, il y a au-dessus de 350 000 auditeurs par semaine qui l'écoutent en moyenne par déplacement 3,3 minutes. Et évidemment, la cote d'écoute est beaucoup plus élevée, par exemple, pendant les journées de tempête l'hiver dernier. En fait, le temps d'écoute et le nombre d'auditeurs étaient 125 fois plus élevé qu'à la normale. Ça nous confirme que la radio-circulation répond à sa mission. Étant donné qu'aux 5 minutes, il y a des bulletins circulation, vous êtes certain en 3 minutes d'avoir l'information recherchée. OK, donc, bienvenue, que les appels du public sont importants parce que même si on a des nombreuses caméras, ils vont souvent nous donner des compléments d'information. Par exemple, si un bouchon qu'on voit avec les caméras, eux vont nous permettre de quantifier la durée du bouchon. Ils vont nous dire on perd 15 minutes là-dedans, on perd 30 minutes là-dedans. Et l'autre demi-heure, là, on anime. Et lorsqu'on anime, on a devant nous quatre très grands écrans avec à l'intérieur 24 petits écrans. On doit intervenir sur une base régulière en ondes avec Radio Circulation, mais le surplus d'informations, on le fait au travers des entrevues en direct avec Radio Circulation. Puis le fait d'informer, il est arrivé telle chose, il y a des pompiers, il y a des ambulances, mais évidemment, là, ça aide à faire passer la pilule de la congestion. La gestion d'appels téléphoniques se passe dans l'ensemble assez bien. Évidemment, à l'heure de pointe, c'est du sport des fois, parce que bon, on a quatre lignes, il y a une seule personne pour répondre, on les met en attente et puis on essaie d'aller à l'essentiel le plus vite possible. Vous venez de voir un véhicule en panne, où, quelle voie, à quelle hauteur, merci beaucoup, on prend l'autre appel, etc. Camion en panne dans la bretelle, donc la Canadienne Ouest, elle est fermée, la bretelle. Cogeco Diffusion est notre partenaire autant pour la diffusion de la radio circulation, mais aussi nous offre le service de créer et de produire des capsules radio
promotionnelles qui nous permettent de faire la promotion du ministère et des différents partenaires. Cogeco Diffusion, pour sa radio-circulation, a aussi un site web où on peut faire de l'écoute en direct de la radio, ainsi qu'une application mobile qui a été téléchargée des milliers de fois. Et c'est un contrat qu'on a pour 3 ans, jusqu'à 2014 pour le moment. Victoria, Jacques Cartier et La Fontaine, ça roule très bien, aucun problème dans les deux directions, allez-y, sans aucune crainte. Radio-circulation, c'est un outil là, idéal pour atteindre notre objectif.